Marine de la chaîne YouTube Flash Fit Homme. Aujourd'hui, on va travailler nos abdos ensemble, donc j'espère que tu es prêt parce que ça va chauffer un petit peu quand même. N'oublie pas trois petites choses avant d'attaquer la séance. Tu penses à nous laisser un gros pouce bleu en premier. Aussi, ensuite, tu t'abonnes et tu actives la petite cloche. Ça va te permettre de recevoir une notification dès qu'on va sortir une nouvelle vidéo, simplement. Et puis, pense à télécharger nos 5 conseils pour te remettre en forme. C'est juste en dessous dans la description. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est les périodes de fête de Noël, donc ça tombe bien. On en profite, on télécharge. Et sur ce, on attaque la séance. C'est parti. Allez, on attaque bien sûr par la partie échauffement. Hein. On étire ici, on se grandit et on souffle, on relâche. Enroule tes épaules dans un sens. Hop, viens faire des grands cercles. Et dans l'autre sens. Allez, dès maintenant, on aspire le nombril, on rentre le ventre. Vous allez rester gainé pendant toute la séance, hein. On est bien d'accord. Relâchez les mains sur les hanches, on ouvre un peu les pieds. Hop, on déverrouille le bassin. Yes. Changez de sens. On va chercher loin, devant, sur les côtés, derrière. Oh yeah. Ok, resserrez les pieds largeur bassin. On monte sur demi-pointe. On aspire nombril. Dos grandi, regardez devant vous. Et soufflez. 4, 3, 2, les deux pieds en même temps. Ça fait bascule sur les talons. Et monte sur demi-pointe. Donc là, on est obligé de gainer pour garder l'équilibre. Fixez un point devant vous. Serrez abdos fessiers. Le prochain, on reste en haut. On tient. On résiste. On rentre le ventre. On est gainé. Hein. Dos grandi. 4, 3, 2. Ok. Bougez un peu les jambes. Soufflez. Ok. Ici. Pieds larges en bassin. Les bras le long du corps. Tu vas venir incliner. Tu souffles. Tu te grandis. J'incline. Je souffle. Serre la taille, ici contracte, verrouille les obliques, rentre le ventre, aspire le nombril. Ok, le but du jeu, c'est ne pas de t'affaisser vers le sol, c'est de t'étirer, te grandir vers la diagonale. Ok, je cherche à me grandir et je contracte la taille. Place tes mains devant toi, ici tu vas venir, hop, aller chercher sur le côté et repasse au milieu, de l'autre et je reviens au milieu. Passe toujours au milieu, hein. Hop, je serre le ventre, les abdos. On n'oublie pas, on protège le dos aussi, hein, en gainant. Allez, gardez le dos grandi, les genoux souples. Ok, running, running, running. Ok, reviens ici. On pointe le pied au sol. Et là, on aspire nombril, hein, toujours. On se grandit. On va échauffer aussi les épaules ici avec le bras devant. Parce qu'il va y avoir un petit peu de gainage. Je dévoile pas tout. Et vers le haut. Vous allez voir ensuite ce qui va se passer. Soufflez bien. 4, 3, 2, ok. Placez les mains, hop, derrière la tête. Coude vers genou opposé. On rentre le ventre ici, hein. Bon, en fait, pendant toute la séance, vous allez rentrer le ventre. Serrez les abdos, tout le temps, tout le temps. Allez, allez, encore. Aspirez nombril, le genou monte en direction du coude, opposé. Yes, ok, on relâche. Enroulez les épaules. On attrape son tapis. On va pouvoir passer au sol. Hop. On est toujours à la partie échauffement. Passez sur les genoux. Ici, on recule les genoux. On a les coudes sous les épaules. Aspirez nombril au maximum. Rentrez le ventre. Serrez le périnée. Serrez les fessiers. Et on va venir décoller un genou. Puis l'autre. On repose. On repose. Décolle. Décolle, pose, pose. On est bon? On continue comme ça. Allongez la colonne, grandissez-vous. Tout en serrant les abdos. On reste en
Yes. Alors, récupérez un petit peu, soufflez, je vous explique. Et ce qui va se passer aujourd'hui, on va travailler sur des blocs de 4 exercices, je dis des bêtises, 4 exercices, 35 secondes d'exercice et 20 secondes de récup, mais vous allez voir, ça ne sera pas tout à fait de la récup, ce sera du statique, ok? Donc pendant les 35 secondes, ça sera dynamique et pendant les 20 secondes, ça sera statique. Je vous montre le premier bloc, les 4 exercices. Avec la star au passage qui fait son apparition, salut toi. Donc on va commencer sur le dos. Ah, j'espère. Voilà, comme vous voyez bien, je me recale comme il faut. Ok, les doigts derrière la tête. Ici, regardez bien. Vous allez soulever une jambe. Jusque là, ça va. On place la main ici, la paume de main en haut de la jambe. Alors pas au-dessus, hein, en haut. Et en soufflant, vous allez venir appuyer fort dans votre genou, aspirer nombril. Et en inspirant, vous reposez. On souffle, on monte, on inspire, on pose. Pendant 35 secondes, si vous voulez laisser la tête par terre, vous pouvez faire uniquement j'appuie en soufflant et je relâche. Sans utiliser la tête, c'est possible aussi. Puis les 20 secondes de récup qui ne sont pas vraiment de la récup, on va rester en haut et on va appuyer fort pendant 20 secondes en respirant tranquillement et en verrouillant à fond les abdos. Et après, bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Donc voici nos 4 exercices du premier bloc. Il y aura 3 tours. Ok, ma belle. Allez, je lance le chrono. Préparez-vous dans 10 secondes. Le premier exercice. Une main derrière la tête. Une main sur le genou. Go. On souffle, on monte. On inspire, on pose. On souffle, on appuie. On inspire, on redescend. Aspirez nombril. Rentrez bien le ventre ici. Imaginez, à la montée, vous voulez que le nombril descende, toucher le tapis. C'est faisable ou pas? Allez, 10 secondes encore. J'ai la petite star qui s'est installée. Hein, elle regarde si je fais bien. L'inspecteur des travaux fini. On récupère, mais on reste en haut. Et on tient ici, toujours en appui. Et je rentre mon ventre, je respire tranquillement pendant 20 secondes. Si vous avez envie de poser la tête, vous posez, vous pouvez, mais vous restez appuyé. Et on reste serré au niveau des abdos, ok? Les deux options. Ok, on change de côté tout de suite. On souffle, on inspire. On pousse, on repose. On pousse, on repose, ok? Donc comme d'habitude, on essaye de ne pas pousser les viscères vers le sol, donc on rentre le ventre, on aspire nombril, on imagine qu'on fait tout remonter sous les côtes. Soufflez, appuyez, serrez les abdos en même temps, rentrez le ventre. On fait tout remonter à l'intérieur, c'est une image. Hein. Ça doit trembler, ça doit chauffer, on reste en haut, on tient, on souffle bien, appuyez fort avec la paume de main. Si jamais hein, je commence à avoir des douleurs cervicales, si vous avez des douleurs, vous posez la tête. Pas de souci, mais on reste appuyé là. On respire, on respire. Relâchez. Ok, on change de côté. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Je rentre le ventre à fond. Hein. Aspirez l'ombril au maximum. Mamma mia. Yes. Gardez le coude en ouverture. Ne tirez pas sur les cervicales. Ne rentrez pas le menton. Le menton est toujours vers le plafond. Le regard aussi. On reste en haut. On tient. On reste appuyé. Aspirez bien nombril. Ouh, ça doit commencer à chauffer. Hein. Coude en ouverture. Regarde vers le ciel. Je rentre mon ventre et j'appuie. La jambe, elle est solide, hein. J'espère que chez vous, c'est le cas aussi. Jambe bien solide, elle ne bouge pas. Changez de côté. Souffle. Inspire. Souffle, monte. Inspire, relâche. Donc, on reste en haut tout le temps de l'expiration. Hein. Tant que je n'ai pas fini de souffler, je ne redescends pas. Ça doit être plein comme mouvement. Allez, j'appuie,
Je rentre le ventre, Mamma Mia. Chez moi, ça commence à brûler. J'espère que chez vous aussi. C'est mon exercice préféré, celui-là, pour les abdos. En profondeur. Allez, on reste appuyé. Boum. J'appuie, j'ouvre mon coude. Donc ici, étirez la tête, hein. Allongez les cervicales. Ne rentrez pas, ne cassez pas ici la nuque. Hein. Hop. Le menton relevé, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Je rentre mon ventre, ma mamie. Hein. La la li la la, maman. Ok, on charge. Allez, troisième tour. Je souffle, je monte, j'appuie. J'inspire, je redescends. Vous pouvez le faire, je rappelle, en laissant la tête au sol. Et vous allez voir, ça marche quand même si vous appuyez bien en serrant les abdos. Ok? Donc, choisissez votre option. Vous pouvez alterner les deux. Un coup, la tête au sol. Un coup, je relève la tête. Hein, il n'y a pas de souci. Faites bien la respiration. C'est le plus important avec la contraction. On reste en haut. Coude en ouverture. Serrez les abdos à fond, à fond, à fond. Ouh! On souffle, on souffle, on souffle. Juste là, chez vous, ça commence à chauffer, mais normalement, oui. Hein. Sinon, il y a un problème. Ok, on change. Souffle, monte. Inspire, repose. Souffle, contracte. Inspire, relâche. Mamma mia. Allez. Après, c'est promis, il y aura une pause. Rentrez bien le ventre. Je souffle, j'appuie le plus longtemps possible. Le temps de finir de souffler avant de redescendre. On reste en haut, on tient. Appuie, appuie, appuie. Ouh. Allez, soufflez, respirez. On peut laisser la tête au sol si on veut. On reste, on tient, on peut poser les talons, on se grandit et on se penche, hein.
vers l'arrière, on rentre le ventre. Donc mes options, ou alors de temps en temps, je peux alterner pied posé au sol, pied décollé. À vous de voir. 3. Ok, ici, tout de suite. Bras tendu, je descends, je rentre le ventre, j'aspire mon nombril, j'inspire en bas. Je souffle, je remonte en serrant les abdos. Donc là, le but du jeu, c'est pas d'aller le plus vite possible. Contrôlez votre mouvement, votre exercice et vous pouvez placer les mains ici, derrière les lombaires et vous aider un petit peu en repoussant le sol. Pensez à bien souffler. 5 secondes encore. Allez, pas d'élan. Yes. Quand on a fini, on reste ici. On rentre le ventre, épaules basses, dos grandi. Vous pouvez fléchir un peu les jambes si vous voulez. Maintenez. 10 secondes. Pas la larme. Et top. Récupérez 20 petites secondes. Et on reprend. Donc pareil, deuxième tour. En premier, le kayak. Je mets un peu face à vous, comme ça vous me voyez bien. Dans 10 secondes, les amis, c'est reparti. On se grandit, on décolle les fesses du sol. C'est très glamour. Allez, c'est parti. Boum. Boum. En option 1, les talons dans le sol. Aspire nombril. Des grands mouvements de bras. Allez, c'est ma musique. Motivation, celle-là. On peut décoller. Croisez pas les pieds, hein, trichez pas. Laissez les pieds coller ensemble. Avec mon option, hop. Aspire nombril. Le dos penché vers l'arrière, mais dos grandi. Hein. On reste en statique. Option 1, option 2. Rentrez le ventre. Allez-y, allez-y. Soufflez bien. Serrez vos abdos volontairement. Allez. 3, 2, 1. Tout de suite. Hop, je balance le poids du corps vers l'arrière. Je contrôle, bien sûr. Et on souffle, on remonte. Jambes tendues. Ou si vous préférez les garder un peu fléchies, il n'y a pas de souci. Ne prenez pas d'élan. Aidez-vous des abdos pour monter. Avec l'option main dans le dos. Ici. Hop, je repousse un peu le sol. Alors, faites travailler quand même vos abdos, même avec l'option à rentrer le ventre, serrez bien. Les bras, ils aident un petit peu, mais ils font pas tout le travail non plus. Ok, on tient. Ici, jambes tendues, ou fléchis un petit peu, et on résiste, simplement. On se grandit, on rentre le ventre. On souffle bien. Pareil. 3, 2, 1, on relâche. Ouh, il nous reste un tour, les amis. Soufflez. On reprend. Si vous avez du mal à garder le dos droit, mettez un coussin sous les fesses ou même vous pouvez enrouler votre tapis pour faire une petite couche pour être un peu plus en hauteur et garder le dos droit. C'est parti pour le kayak. Boum. Donc, n'hésitez pas à prendre l'option là, si ça vous aide. Hein. Soufflez bien. Hop, je peux décoller un pied, l'autre, les deux. Alors, plus dur du coup, parce que je suis en équilibre sur mon boudin. Oh, ça tremble. Rentrez bien le ventre. Wouh. Bam, bam, bam. 5 secondes. On reste, on tient. Les pieds décollés où vous pouvez poser. Allez, c'est bientôt fini. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Zoup. Allez, tout de suite. Hop, on descend, on contrôle, on inspire en bas. On souffle, on remonte, on contrôle, on s'arrête les abdos, on se grandit en haut. Enroulez le dos. Enroulez et grandissez-vous. Je peux mettre mes mains ici en bas. Hop, j'appuie un peu dans le sol. Ça m'aide à me relever. Et pareil pour la descente. Ça m'aide à contrôler, on se laisse.
épaules basses, dos grandi. Aspirez nombril. Ok, buvez un petit peu si besoin. Je vous montre le bloc numéro 3. Donc on va partir sur un bloc gainage et superman. Premier exercice, on va venir le faire sur les mains. Après, si jamais vous avez mal aux poignets, vous pouvez faire sur les coudes, il n'y a pas de souci. Donc les poignets seront bien sous les épaules. On va allonger les jambes et on va venir plier, tendre jambe droite et je repose. Plie, tend jambe gauche et repose. Donc le but du jeu ici, alors déjà on va enlever la serviette pour pas que ça glisse. Hop, c'est quand je tends la jambe, je la monte pas trop haut, ok, pour pas venir cambrer le dos, garder le dos droit, serrer la fesse et les abdos, ok. Donc ça c'est mon premier exercice. Vous pouvez très bien le faire sur les avant-bras, ici si vous préférez, d'accord. Ou même à genoux, venir tendre une jambe après l'autre si vous n'avez pas l'habitude de faire le gainage. Ok. Deuxième exercice, bah forcément on va rester en statique, donc sur les coudes cette fois-ci. Hop, on tient, on reste, on aspire le nombril, on ne bouge plus. Ensuite on passera sur le ventre. Ici on va travailler les lombaires et aussi la taille des obliques. Donc je vais soulever mon buste en soufflant et les jambes du sol. Je tire bien dans mes jambes, on va incliner. La main va aller toucher la cuisse et elle frôle le sol. Et on change de côté. Donc vous allez sentir la taille qui va pincer, qui va travailler. On repose ensuite un tout petit peu avant de remonter et rester en statique. Les épaules basses, le dos grandi. Ok ? Voilà notre bloc numéro 3. Je lance le chrono. C'est parti. Donc on commence par le gainage. Sur les mains, si vraiment vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci, vous passez sur les coudes. Bien aligné aux épaules, reculez les jambes. Ok, on se grandit, on plie, on tend, on pose. On plie, on tend, on pose. Et on enchaîne comme ça. Soufflez bien. Aspirez nombril, serrez la fesse. Quand tu tends la jambe, tu contractes le fessier. Les abdos sont toujours bien serrés. Allez, lâchez pas. 7, 6, 5. On passe tout de suite, on descend sur les avant-bras. On reste en statique, c'est parti. Épaules basses, dos grandi, rentre le ventre. Palalam, pam, pam. Ouh, on respire. Attention, descendez à plat ventre. C'est parti, on souffle, on décolle. On incline, on frôle le sol et on remonte. J'incline de l'autre côté et je remonte. Soufflez bien encore pour monter. Repassez bien au milieu. Et même si on est couché dessus, on serre les abdos, hein, on rentre le ventre. Épaules basses. Si vous avez besoin de récup, vous pouvez poser de temps en temps et remonter. Allez-y à votre rythme. Pas de soucis. Ok, on pose, on prend une inspiration en bas. On souffle, on remonte, on monte le ventre, on serre les fesses et on tient. Épaules basses, dos grandi, j'allonge la nuque. Le regard au tapis. 8, 7, 3, 2, 1. Reposez. Ok, récupérez. Étirez un petit peu ici le dos. On va repartir sur le bloc numéro 2. Enfin, le deuxième tour du bloc plutôt. Pareil sur le gainage sur les mains, en place. Les épaules et les poignets alignés. Top, c'est parti. On plie, on tend, on pose. On plie, on tend, on pose. Vous pouvez le faire à genoux. Il n'y a pas de souci du moment où vous gardez le dos grandi. Les abdos serrés. C'est validé. Vous pouvez le faire sur les avant-bras comme j'ai montré tout à l'heure aussi. Allez, restez gainés, vos épaules, elles ne bougent pas, elles ne reculent pas, elles n'avancent pas. Elles
sont toujours au-dessus des poignets. Mamma mia, ça commence à chauffer. Mamma. Ouais, je viens de l'inventer. Descendez sur les coudes. Restez en statique. Soit vous restez sur genoux, soit sur les demi-pointes. Allez, on respire, on rentre le ventre, on serre les fessiers. Épaules basses, dos allongé. Basculez sur le ventre. Oui, on soulève et on incline. Je suis ma main du regard. Je ramène. Et de l'autre côté. Soufflez bien. Stabilisez, tirez dans vos jambes. Allongez la colonne. Je frôle le sol avec ma main. Ok, serrez les fesses aussi, hein. Abdos, fessiers, les lombaires aussi travaillent ici. On repose le temps de prendre une grande inspiration. On souffle, on monte et on reste en statique. Épaules basses, dos allongé. Tirez dans vos jambes. Serrez les fessiers. Rentrez le ventre. Soufflez, 3, 2, 1, on relâche. Oui, il nous reste un tour. J'espère que ça va chez vous. Dans 12 secondes, on reprend. Alors, en place, le gainage, c'est le premier exercice. Les alignements. Top, je rentre devant, je monte, c'est parti. Pli, temps et pause. Allez. C'est la fin, on résiste jusqu'au bout. Gainé. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire en fin de séance pour nous donner votre retour. Nous dire si ça a piqué, si ça a brûlé chez vous. Ici, oui, hein. Serrez la fesse aussi, n'oubliez pas. Descendez sur les genoux, les avant-bras. Hop, on reste soit sur les genoux, soit on monte sur les orteils. On étire la colonne, on rentre le ventre. Allez, n'hésitez pas aussi à rejoindre la team Flash Fit Home, hein, sur Facebook. On fait plein de choses, des lives, des conseils. Allez, descendez sur le ventre. Boum, on soulève. On incline, on ramène. Ouais, on a une super team sur Facebook, un super groupe où il y a beaucoup de partage, beaucoup de fou rire aussi. Donc, si tu n'y es pas encore, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera dans le groupe. Sincèrement, on s'éclate dessus. Allez, on vient le 25 secondes encore. Prends une inspiration en bas. Essouffle, monte. Rentre le ventre. Allonge la colonne, abaisse les épaules. 10 secondes. Et puis voilà, n'oublie pas de télécharger aussi les 5 conseils de remise en forme
juste en bas dans la description, tu vas voir, c'est sympa. Il y a plein de petits conseils sympas que tu peux appliquer au quotidien. Gros bisous, gros poutous tout le monde. Ne jetez de serviettes, attention, ça rigole plus.